Salut à tous, c'est SuperLTN52 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des Flammes de l'Enfer, cette série où on doit tout simplement sortir du Nether. Ça n'est pas changé, ok. On a un nouvel objectif secondaire. D'ailleurs, je vous les rappelle, il y avait construire une maison en quartz, avoir un full stuff netherite, taper un pygmène et survivre. Trouver un bastion, un portail en ruine, un basal delta. Et le nouveau, c'est trouver une forteresse. Donc, vous savez, les trucs qu'il n'y avait que ça dans le Nether avant. Oui. J'entends un gaz, donc ça présage rien de bon. On s'en fout. Ici, il y a un espèce de truc. Je crois que c'est un bastion, mais je suis même pas sûre. Et ça se trouve, c'est une forteresse. Donc, on va essayer d'aller voir. Le truc, c'est que. On va ramasser plein de blocs. What? Ouais, ils ont changé le truc de l'interface. Avant, ça faisait une croix qu'on pouvait déplacer. Maintenant... Oh ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que avant il y avait le truc... Ça faisait le texte, il était sur un fond noir. Du coup, il cachait les autres trucs à côté. Donc moi, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Mais c'est assez perturbant quand même. Ouais, quand t'as l'habitude de trucs. Par contre, le meilleur moyen d'y aller, ce serait de faire un bridge. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres possibilités à part prendre un strider, mais j'ai ni de sel, ni de canne à pêche, ni de warped de fun goose. Donc, un bridge, c'est très dangereux parce que c'est au-dessus de la lave. Donc, si je meurs, je perds mon armure qui me protège des piglins. Donc, si je meurs, je me fais tuer par tous les piglins. Oula, j'ai cru que c'était un. Oh, ça m'a fait peur ce truc qui arrive devant mes yeux. Oula, un ghost. Ah! Mais il brouille! Il me tire des fausses boules de feu, le mec. C'est pas mal, du coup, c'est un gars. Mais il détruit la forêt rouge. Ah, je renvoie cette fois. Ok, il s'en fout. Il s'est désintéressé de moi. Enfin, quoique. Non, en fait. Oh quoi, ça l'a touché. Oh non, là, il se met tout près. Bon, il s'en fout de moi ou pas, là? Parce que chaque fois, il s'en va, il revient, il s'en va. Et ça, s'en va, et ça, revient. Et ça, fait deux toupes. Ouais, je vais arrêter de chance. Mais t'as fini ou pas, là? Je peux avancer tranquillement? Non? Tu veux pas? Non? Non? Ok. Ok. En fait, je crois que l'autre coup que tu m'as attaqué, je crois que c'est possible. Je vais casser cette or-là. Et je vais dire, est-ce qu'ils s'en foutent quand je suis de l'or? J'ai tout le monde persuadé que oui. Et que j'ai cru que oui, en fait. Ils m'ont pas attaqué tout de suite, mais en fait, ils m'ont attaqué juste après. Ils m'ont tué. Et du coup, en fait, ça devait être à cause de l'or. Je veux, mais ils m'ont tué. Je l'entends aussi, mais... Il est là. Non. Quoi? Mais il y a un Big Magma Cube juste au-dessus de ma tête, en fait. Et je suis même pas au courant. Ok, c'est un bug, je vais le spam. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Il faut pas que je tape un piglin, parce que sinon ils vont tous me défoncer. Ah ouais. Il y a un moyen, il y a des moyens partout. Oh là, ils font mal. Dedans. Je vais crever. Oh, j'ai cru qu'il allait me tirer dessus. Quoi? Je vais crever. Ok. Je vais crever. Mais bon, à part ça, tout va bien. Ouais. J'ai bientôt plus ma pioche, là. J'ai bientôt pété. En fait, je crois qu'ils sont énervés quand je casse de l'or, les piglins. Il y a un anglin, notre coup, là-haut, là. Mais je sais pas s'il est toujours.
J'entends un gasp en tout cas. Donc c'est peut-être le même que tout à l'heure. Ok, je vois personne. Pour l'instant. Ah mais ok. Ça va même pas au même endroit que tout à l'heure. Ah mais ok, c'est nul en fait. C'est pourri. Moi qui croyais que c'était intéressant. Je vais prendre des champignons par contre. Parce que je crois qu'il m'en fallait un petit peu. Pour faire... Ah, je crois avoir des rouges maintenant. Allez, on va mettre un cube. Alors, hop. Voilà. On a fini avec ça. Maintenant, le but, c'est de... ouais. Bah, je vais miner plein de blocs. Je vais faire un pont. Tout... Ah non, il y a un hoblin. Il y a un hoblin. Il y a deux hoblins. Donc... Oh ah non, je crois qu'il y avait des mains. Ok, il y en a ici par contre. Voilà. Les hoblins, où étaient-ils? Ils sont pas là, je crois. Donc là, du coup, le plan, c'est de récupérer plein de blocs. Au pire, j'ai une pioche en bois de rechange. Donc voilà. Mais ça va être compliqué. Alors, j'y suis presque. C'est bien un bastion, c'est bien un bastion. On va aller dedans. Normalement, si on casse des blocs, tant que c'est pas des blocs d'or, dans le bastion, les piglins, ils s'en foutent. Donc, mais les coffres, en fait, je crois, si on casse les coffres, je sais pas si ça marche. Mais le truc, c'est que, en fait, si tu prends des trucs dans un coffre sans qu'ils te voient, eh ben, ils t'attaquent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est faire en sorte qu'ils ne me voient pas. Ouvrir les coffres. Oula, j'ai plus de... Ouah, c'est combien d'épaisseur, ça? Mais c'est combien d'épaisseur? C'est épais comment, ce truc? Oh, de la lave, ok. Qu'est-ce que je creuse dans les murs? Ok, ça... Si jamais j'y arrive un jour, hein, vous me dites. What? C'est quoi ce truc? Ah, ok. Ah, ok, il n'y a rien du tout. Ah, si, c'est bon. Ça remonte par là, une lanterne. Ah, écoute, je prends la lanterne. Ah oui, non, je peux pas la prendre. Ah, ok, je pense que je peux pas la prendre à la main. Avec un outil pas assez puissant en bois, par exemple. Ouais. Oh, il m'a fait peur. Normalement, il m'attaque pas, ok? Ouais, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des coffres dans cet endroit? Bon, là, le truc, c'est qu'il y a de la netherrack. Donc, c'est un petit peu bizarre. C'est un truc qui va à nulle part, en fait. Ah, ok, j'ai plus de pioche. Faut que je m'en refasse. Hey, mais attends! Ah bah oui, j'ai de la Blackstone. Mm-hmm. Ah, ça a été traduit par pierre noire, je viens de voir. Bah, c'est non, pas normal. Mais pourquoi la Redstone, ça a pas été traduit par pierre rouge, alors? Du coup, je peux faire des outils en pierre. Eh, c'est pas mal, ça, en vrai. Bon, je sais, je casse le tas de la pioche, c'est pas très logique, mais... Moi, je vais un petit peu plus vite. Enfin, je pense. Bon, il y a quelque chose, hein? Il n'y a rien. Ah! Oula!
Si elle la lave comme ça, c'est assez dangereux. Hein. Bon, ça va que la lave, c'est lent. Mais en fait, là, j'ai un moyen de savoir où je suis dans le... dans le bastion, parce qu'il n'y a rien du tout en fait. Il y avait juste une petite entrée vite fait, mais là c'est juste un bloc en fait. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, hein, dans ce bastion. Il n'y a rien du tout. Part de la Blackstone, bien sûr. Attends, j'ai vu une particule là. Ah! Non! Au secours! C'est mauvais plan. Oula, il m'a fait. Bon, écoutez, on va miner par là pour voir où ça va en fait. La lave, ça prend pas jusqu'à où? Je sais pas. Oula, ça va loin. Bon, alors. La question c'est où suis-je? Et la réponse c'est je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'explorer? Est-ce qu'on arrête d'explorer? Là il y a de la lave, là il y a de la lave. Donc écoute, je veux bien mais c'est de la lave partout. Écoutez, on va revenir au début, on va miner en ligne droite. C'est là le début? Non? C'est pas là? Non, c'est pas là. C'est ici? C'est ça? Oh, j'ai cru qu'il y a un trou, mais en fait c'est juste un bloc. Attends, je vais récupérer là. Est-ce qu'on peut avec un pierre? Apparemment oui. Oui, oui, on peut. Oui, c'est... Je vais récupérer. Je vais la mettre dans ma main, même si ça sera. C'est pas pour voir, c'est juste pour avoir deux. Mais ça, est-ce que ça donne de l'or? Ah non. Faut le faire cuire peut-être. Peut-être que c'est ça. Ça va où? Je sais vraiment pas où je suis en fait. Et d'où l'entrée là? Ah là. Non? Même pas. C'est quoi ça? Cette partie là. Okay. Je suis perdue. Je suis perdue. Où est mon pont? Où est mon pont? Juste. Apparemment, il y en a là-bas. Ah, il est là, mon pont. Au pire, vous savez quoi? On va faire un pont jusqu'à la forêt pour retourner de l'autre côté du bastion pour essayer de trouver quelque chose quand même, parce que il n'y a pas de gaz ni rien. Non, ça a l'air d'aller. En fait, je pouvais aller de ici à ici. Oh. Mais c'est de où que j'ai fait? Ah, mais c'est sur le côté encore, c'est encore plus loin. C'est un bordel pas possible. Mais ce bastion, il est grand, il est immense, mais il n'y a rien dedans. Donc je comprends pas la logique. Help me to the logic. Mais bon. Donc du coup, je remplis l'objectif trouver un bastion. Hein. Oui, même s'il est vide, j'ai trouvé. Oh, de vue du dessus, c'est bizarre là, la texture de ce bloc-là. Ouais, très bizarre. J'ai toujours mon pont pour rentrer, au pire je rentrerai plus par là, je pense, je ferai un pont entre les deux, plus sécurisé peut-être, avec genre un muret sur le côté. Voilà, j'ai pris aucun dégât de chute comme ça. Mais le truc c'est, où est-ce qu'on est là? De l'or, un piglin, ok, j'ai ramassé l'or quand même. Le piglin me voit, j'ai entendu un bout d'orval, j'ai rêvé. J'ai rêvé parce qu'on n'a pas besoin de forêt bleue, donc. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une forêt, mais en fait, je ne sais même pas qu'il y a ça.
Mais c'est quoi ça? Elle vient d'où cette forêt là? Oh! Ogline? Un ogline? Est-ce que je peux tenter de le tuer? Non. Non, non, non. On va passer par au-dessus. On va pas les déranger. Je vais faire une petite jump, la moelleté. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Il m'a vu ou pas? Il est où? Ils m'ont vu, mais ils peuvent pas passer. Le truc, c'est que. Oui, mais comment je suis censé faire? Est-ce que je tue ces gars-là? Je devrais peut-être. Hein. Non. Je sais pas. Elle fait tomber, mais. Le truc, c'est que. Comment je descends là? Non, je prends une épine. Ouais, non, c'est que. C'est que je vais faire. C'est quoi ça? C'est quoi? Non, non, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Ils m'attaquent tous. Non, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Ah! Oh là là, oh là là. Ok, les piglins m'ont sauvé, apparemment. Enfin, pour l'instant. Comment ils ont réussi à monter? Au début, je savais pas si c'était les piglins ou les oglins qui m'attaquaient. Mais là, finalement, c'était les. Je m'enfermais le temps de régène. Hein. C'est ma petite technique à moi, de m'enfermer. Ça marche toujours. Hein? Comment? Il y a un bug! Il m'attaque à travers là! What? Ok, le combat entre les blocs. Est-ce qu'il est mort? Non, je sais pas. Je suis pas trop en sécurité en fait. Parce qu'il peut m'attaquer à travers les blocs. Est-ce qu'il est mort? Dites-moi s'il est mort. Je vais reculer. Je vais me faire un coffre. Et je vais. Je vais déposer tout ce que j'ai dedans. Comme ça, au cas où il y a le Oblin, ben, je vais pas mourir. Enfin, je sais pas. Enfin, si, je vais mourir, mais je vais pas perdre tout ce que j'ai. Ah oui, que je reprends le coffre et on me tue. Et si je casse le coffre? Non, mais non, attends, tu sais quoi? Je vais me refermer. Ah, non, pas chier. Il y a un bug. Normalement, ils ont l'air de dire que. Enfin. Ce qu'ils disent dans le truc, c'est que plus il y aura de bugs dans la bêta, moins il y en aura dans la version finale. Au pire, je vais casser le coffre, ce sera plus simple. Parce que de toute façon. Voilà, normalement ils ne voient pas les piglins, donc ils ne devraient pas m'attaquer. J'entends toujours un truc. Hein. Ah non. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah non. Il a vu que j'ai cassé. Ah bah oui, il a vu à travers la porte. Tu sais quoi, je vais remettre le coffre. Je vais remettre le coffre. Je vais le. Parce que je crois qu'ils veulent ma peau. Sérieusement, est-ce qu'ils veulent ma peau ou pas là? J'ai pas compris. À chaque fois que je rouvre, ils veulent plus ma peau, mais deux secondes, ils veulent ma peau. Tu sais quoi, personne ne me voit de toute façon. Ah non, ils veulent ma peau. Ils veulent ma peau ou c'est bien ce que je pense? On va dire que oui. On va dire que oui. Au moins je peux les tuer. C'est une ferme à piglines, tu sais. Ferme à piglines. Qui veut de piglines?
au moins c'est pratique, mais pour moi, déjà. Ouais, ils m'ont vu que c'est une coffre en fait. J'aurais dû fermer. Non. Mais en plus, c'est mon coffre, c'est ça le pire. C'est pas le leur. Hein. Ah non, lui, il va me tirer. Lui, il tire à distance. Ouais, toutes les flèches qu'ils ont tirées. Est-ce qu'il y a un anglais, genre pas bon. Ok, en fait ils s'entretuent un petit peu. J'ai plus qu'un seul champignon. C'est un petit peu risqué ce que je fais. Ok. Bon, je peux avoir la paix là? Non? Non, je peux pas? Oh là, mais c'est galère. C'est galère, ces piglines là. Il faut que je régène. En plus, ils m'ont. Ouais, quand on casse le coffre, ils sont pas contents alors que c'est même pas leur coffre. Bon, il y a deux. Je suis obligé de les tuer au corps à corps parce que. Parce que moi j'ai pas d'armes à distance et eux ils en ont une. Et du coup, forcément, je. Bah, je suis en désavantage. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a plus aucun pigline ici? Non, mais il a rien de s'en foutre. Est-ce que les piglines du bastion, ils sont affectés par. Ok, j'ai un casque de rechange. Est-ce que les piglins du bastion, ils sont affectés par le fait que j'ai tué leurs camarades de la forêt rouge? Ou est-ce qu'ils s'en foutent totalement? Je sais pas. Ça, c'est le truc que j'avais vu tout à l'heure avec le monde partout. Bon, on va rester vigilant. Ah! Non, 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 non! Ça fait mal, ça fait mal! Non, ça fait mal, ce truc-là! Au secours! Au secours! Comment je crie? Attends, ok, tu veux plus ma peau? Si, tu veux ma peau, ok, ok, ok. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Voilà. Yeah, j'ai de la bouffe, merci. Ok, j'ai flippé vraiment pour rien, mais c'est pas grave. Sinon, je vais peut-être faire un four, en fait. J'en ai déjà un à la base, je sais, mais j'ai pas envie d'y retourner, donc... écoutez, je vais faire un four, c'est pas grave. Hein. Je sais même pas si j'ai bien fait de faire une base, au final, je retourne jamais. Mais... enfin, si, mais bon, bref. Je commence un peu à m'habituer avec le nouveau système là. Non, c'est pas mon coffre que je voulais. Ouais, je commence vachement à m'habituer. Je prends le nouveau système. J'espère qu'il n'y a aucun pigment dans les parages. Mais je vais encore me tuer parce que j'ai cassé mon coffre. C'est le mien. Ils sont quand même pas très intelligents. Et là, le truc, c'est que le bois du nether. Ne brûle pas, du coup on est obligé de le transformer en stick pour faire chauffer. Et oui, c'est l'astuce si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, logiquement, le stick du nether ne devrait pas brûler. Oh, il y a un goblin là-bas encore. J'espère qu'il ne viendra pas quand je suis dans la lave. En fait, ça va, ils sont faciles à tuer les goblins. C'est peut-être qu'ils sont buggés encore. Mais en même temps, oui, ils sont buggés. Ok, il prend une douche de lave, mais il a pas compris que c'était un peu trop chaud pour lui. Hein, moi? Attends. je vais récupérer direct de la viande grillée. Hein. Écoute, tant que je suis là, j'ai de la viande. J'ai de la viande cuite. Voilà. Franchement. Voilà, je mets encore deux de plus. Ok, ça va servir bien la bouffe, ça va. Il y a encore le bug du four, mais c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment un bug. C'est juste un bug visuel, ça. Changer un niveau. Enfin bref, j'ai compris. Allez, voilà. Ok, je casse tellement de blocs que je vais mettre tout. Allez, les blocs de ça. Ce pilier est bizarre. Il est très bizarre. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dans ce pilier. Il est tellement fin. Qu'il ne doit y avoir rien dedans. C'est juste que je dois.
Je vais essayer d'aller par là, au pire. Est-ce que je vais dans la lave? Je vais peut-être me mettre un bloc au-dessus, quand même. Peut-être trois quand ça servira, mais... Bon. J'espère qu'il n'y a aucun monstre qui va me suivre. Me faire tomber dedans. Ah, c'est pas pratique de briser. Sur le côté, enfin, je remets de... Décalé. Est-ce que je peux cramer avec les bulles de lave? Je pense pas. Bon, alors, je vais ici. Là, je casse ça. Voilà, je suis dedans. Un mort est un peu m'arrivé, à part que de la lave peut me tomber dessus. Mais bon. Je me demande ce qu'il y a dans ce bastion. Apparemment, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Bon, bah, il y a l'air d'avoir rien. Juste rien. Je pourrais peut-être creuser un petit peu plus. Mais au pire... Bon, ma pioche a cassé, donc on fera ça dans le prochain épisode. Je vais mettre une petite lanterne. Ah, j'ai entendu. Ah non, c'était un pilier. Je vais m'enfermer en fait. Ouais, je vais m'enfermer. D'abord, je mets la lanterne. Je m'enferme, comme ça je sais là où il y a les netherracks qu'il faut que je mine. Si je veux retourner. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on a un petit peu rien fait, parce que le bastion, il y a un petit peu rien dedans. Même si je vais regarder dans le prochain épisode s'il y a quelque chose dedans quand même, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit peu rien. On voit l'intérieur de ma tête, c'est génial, il n'y a rien dedans. Ma tête est vide. Voilà, ma tête est vide, voilà. Enfin bref. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire... Ah mais, c'est toujours ce... Bon, n'hésitez pas à péter la barre de like, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.